Please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. The court is back in session. L'audience est reprise. Before giving the floor to the prosecution to continue his questions to this witness, the chamber would like to inform the prosecution pour la suite de l'interrogatoire. La chambre souhaiterait annoncer ce qui suit. After considering the importance of questioning this witness to ascertain the truth, de l'importance de la déposition de ce témoin dans l'optique the chamber has de la manifestation de la vérité, by la the majority that the prosecution will have another morning tomorrow à la majorité des voix de donner à l'accusation la matinée and the afternoon de session will demain be devoted pour to poursuivre son interrogatoire. The lead co-lawyers. Quant à l'après-midi, elle sera mise à la disposition de la partie civile. The chamber will consider and inform the defense teams tomorrow as to how much time dira demain they à la défense de combien de temps questioning this witness. Elle disposera pour l'interrogatoire de ce témoin. Now the floor is handed over to the prosecution la parole to continue est à l'accusation questioning this witness. Pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin. Merci, Monsieur le Président. Il me semble qu'avant la pause, thank une question avait été posée par la défense de Nuncia concernant la différence d'interprétation entre la version française et anglaise de la réponse qui avait été fournie par le témoin dans le document D233-2. Nous avons fait vérifier, la version Khmer semble en concordance avec la version française et non pas la version anglaise. Dans la version anglaise, il est dit qu'il n'était pas au courant, alors que dans la version française et Khmer, il est dit qu'il était au courant. Je voudrais simplement signaler qu'il me semble aussi que c'est plutôt dans la question qu'il pourrait y avoir une difficulté, mais qui est commune aux trois langues, puisque la question était posée de savoir est-ce que c'était cela qui était le motif de l'arrestation de M. Kit Chun et Chun Prasit. Or, ils n'ont pas été arrêtés. Et cela se voit dans la question, dans la phrase suivante, toujours dans la même question des enquêteurs, c'était dû au fait que M. Yingsari était une personne influente pour que ces deux personnes ne soient pas arrêtées. Donc je voulais simplement lever cette ambiguïté. Je ne sais pas si ça répond à votre question, M. le Président. This addresses your question, Mr. President. The President, the prosecutor, you may proceed with your questions. Je vous en prie, vous pouvez poser votre question. Si je me souviens bien, avant la pause, question, si le témoin n'avait pas encore pu répondre à la question break, de savoir ce que cela signifiait d'avoir été mis en cause dans plusieurs documents, et j'avais demandé, mais la Chambre n'avait pas tranché non plus cette question, de savoir si cela voulait dire avoir été accusé par quelqu'un. Peut-être que je me tourne vers vous, Monsieur le Président, pour savoir si je peux poser cette question, puisqu'il y avait eu une objection de la part de Maître Carnavas là-dessus. Mr. President, because Mr. Carnavas had objected. Correction, the interpreter meant to say Kit Chun, as opposed to Kojo. The President, you are permitted le to président. Put that question to witness. Vous êtes autorisé à poser la question au témoin.
Donc, monsieur le témoin, que cela signifiait-il d'avoir été mis en cause dans plusieurs documents? Est-ce que c'était être accusé par d'autres personnes? Did it mean being accused by other persons? This phrase means we heard that the particular person or persons were accused or implicated, qu'une personne particulière only heard, a été dénoncée ou accusée, who exactly implicated those people. Mais sans que l'on sache exactement par qui la personne en question a été mise en cause. Lorsqu'au ministère des Affaires étrangères, question. Des personnes étaient mises en cause, while notamment Kit Chun ou Chun Prasit. Quelles étaient les conséquences de cette mise en cause? What were the consequences of such implication? Or such accusations. As I have said, he and I and comme others je l'ai dit, were afraid. Lui-même, moi-même et les autres avons eu peur. Et concernant les personnes qui question. Étaient mises en cause, and regarding est-ce persons que who were implicated ces or accused, personnes devaient fournir des informations did ou se justifier those persons have to par rapport à ces mises en cause? Any information or to justify their position in relation to such implications? មិនមានអ្វីជាការ There was no response. They remained working. Il n'y a pas eu de suite, ces personnes sont restées travailler. Est-ce que ces personnes auraient dû rédiger des documents? Question. Par rapport à ces mises en cause. Did such persons have to write any documents regarding such implication? ខ្ញុំអត់បានដឹងទេរឿងនេះ I did not know about that. Je n'en savais rien. Avant de passer à un autre sujet, je voudrais simplement revenir before we go une dernière into another fois line of questioning, à I would like us l'histoire de Khoi Thun to que vous nous avez racontée the Khoi Thun et sur les conséquences à Sreng Samrai. Vous aviez dit qu'il n'y avait pas eu besoin de faire d'enquête parce que ces personnes n'étaient que des paysans et donc n'étaient pas proches de Khoi Thun. Je voudrais lire les réponses que vous aviez fournies au juge d'instruction à ce propos dans le document D369-36. Et il y a trois réponses qui nous intéressent en particulier. Ce sont les réponses 107. Concern you in particular, 108 et 110. Answers 107, 108 and 110. Monsieur le Président, est-ce que j'ai l'autorisation Mr. de montrer ce document à l'écran et de le présenter am I allowed au to place témoin? This Merci. Document on the screen and to show it to the witness? The President, je you vous are en permitted. Prie. Court officer is instructed Huissier to coordinate d'audience. With this issue. Veuillez aller chercher ce document et le remettre au témoin.
Voilà, merci. Alors, la question 107 était la suivante. Je cite, « Monsieur, vous est-il arrivé de participer à des réunions à B1 concernant le fait que des gens de l'extérieur accusaient les gens de Shreng Shamre d'être des ennemis ?» Réponse, oui, il m'est arrivé d'assister à des réunions qui se tenaient à B1 et il m'est arrivé de convoquer le personnel à des réunions à Shreng Shamre. Question 108. Je vous prie de nous raconter un exemple concret, s'il y en a eu. Réponse 108. Par exemple, l'histoire de Khoitun. Il a été l'objet d'accusations. Par conséquent, il a fallu convoquer et interroger les subordonnés de Khoitun pour savoir ce que Khoitun leur a demandé de faire ou pour savoir ce que eux, ils savaient des activités de Khoitun. Et enfin, la question 110. Est-ce que dans la réunion au cours de laquelle on a examiné les documents d'accusation, il y avait la présence de M. Yang Sari ? Réponse, non, pas du tout. Il n'a pas participé à cette réunion. C'était moi qui lui ai fait un compte-rendu. Je lui ai rapporté que toutes ces personnes ne savaient rien et qu'ils ne faisaient qu'exécuter les ordres des dirigeants. Voilà, alors je voudrais simplement savoir si vous confirmiez ce que vous aviez dit, parce que tout à l'heure, il m'a semblé entendre que vous aviez dit qu'il n'y avait pas eu d'enquête, alors qu'ici, dans les réponses que vous aviez fournies auparavant, il était clairement dit qu'il a fallu convoquer et interroger les subordonnés de Khoitun. Merci de me donner votre réaction. What do you say to that? Allow me to answer this question as follows. Voici ma réponse à cette question. The word meeting does not mean an investigation. Le mot réunion It was not ne renvoie pas an investigation. À une enquête. During the meeting, il ne s'agissait pas d'une enquête. There were study documents. Au cours de la réunion, des documents ont And été after étudiés. The study sessions, et après comrades were la séance d'études, to consider the issues and not on a to dit worry aux camarades de réfléchir à la question et de ne pas s'inquiéter. And to tell the truth, on leur a dit and to be honest. D'être honnête et de dire la vérité. They were supposed to continue their works as usual. Et qu'ils étaient censés so there was no investigation. Poursuivre It was about leur study. Travail comme d'habitude si aucun problème ne se posait. Donc ce n'était pas une enquête, c'était une séance d'étude. Merci. Vous avez parlé de séance d'étude de documents. You talked about quels documents avez-vous étudié durant cette séance à Shreng Shamre? What documents did you study at meetings at Shreng Shamre? There were many documents. Il y avait beaucoup de documents. But the documents that I have talked about, mais ceux dont that I have been describing, parlé, concern the documents about the 12 morals. Concerne First one, les 12 principes moraux. Is to love the country. Premièrement, il fallait enthusiastically aimer le pays. Another term ardemment. In that document is that we should not steal Par ailleurs, even a piece of dans chili. Le document, il était dit qu'il ne fallait pas voler, ne fût-ce qu'un piment. Mais vous avez dit aussi que vous aviez rapporté à Yang Sari que toutes ces personnes ne savaient rien. Donc est-ce que des questions leur ont été posées pour savoir s'ils savaient quelque chose à propos de Khoitun et de son arrestation et des faits qui lui auraient été reprochés?
I do not understand the question. Je ne comprends pas la question. Le président. Could the prosecutor ask the question again? Because the witness does not understand the question. Le témoin n'a pas compris. Vous avez évoqué seulement une étude de, des 12 principes moraux. En même temps, vous avez dit à la réponse 110, vous aviez fait un compte rendu à Yengsari et que vous aviez rapporté que toutes ces personnes, donc à Cheng Shangre, ne savaient rien, qu'ils ne faisaient qu'exécuter les ordres des dirigeants. Est-ce que, logiquement alors, rapportiez que ces personnes ne savaient rien, vous leur aviez posé des questions pour savoir si ces personnes avaient des relations quelconques avec Khoi Thun. Oui, Thi. The study method have been described by me. J'ai parlé comment, de la façon dont on procédait pour ces séances d'études. Chacun devait se critiquer. Chacun devait indiquer s'il était en relation avec Khoi Thun. Chacun devait dire s'il avait fait quelque chose. They would decide whether those people nuisible. Were Ensuite, wrong or not. Une discussion and collective avait lieu et on décidait that those de la culpabilité éventuelle des personnes concernées. Et c'est ainsi que moi j'ai dit à Yengsari que ces gens n'avaient rien fait. Est-ce qu'on appelle ce type de réunion une réunion de biographie? Are such meetings referred to as biography meetings? There were many meetings. Il y avait beaucoup. For example, the meeting réunions. That I have talked about is the meeting. J'ai par that exemple parlé de certaines réunions. Everyone not to be afraid that their superior was arrested. Lors desquels on essayait de rassurer les gens lorsque leur supérieur avait été arrêté. That meeting as ces réunions-là, a revolutionary self-criticism. On les appelait des But réunions kind of meeting may d'autocritique mean révolutionnaire. Much more than what I have just said, because the meeting I had Mais cela I va have just described concerned only with helping que those ce not to que be afraid. J'ai dit, parce que quand j'ai parlé de ces réunions, j'ai uniquement parlé du fait qu'on voulait rassurer les gens. Je vais maintenant venir à certaines de ces réunions qui portaient notamment sur des questions de sécurité et où la question des ennemis de l'intérieur avait été abordée. Vous en avez parlé hier. Lorsqu'il y avait des réunions concernant les affaires internes et la sécurité du ministère, est-ce qu'il y avait des comptes rendus qui étaient préparés? Meetings concerning enemies from within and meetings concerning internal security at the ministry, I mean. As for my side, there was no minutes of the meetings because not many people could write. Il n'y avait pas de procès-verbal des réunions car peu de personnes pouvaient écrire. Et alors de l'autre côté du ministère, concernant des réunions qui, vous nous avez dit hier, étaient présidées par Yengsari, est-ce que là, il y avait des comptes rendus qui étaient écrits? Were any written reports prepared at such meetings? Response. Regarding the intellectuals' side,
That is regarding those people and the foreigners. Yes, there were reports of the meetings. Il y avait un compte rendu de ces réunions. I did not participate in such a meeting. Je n'ai toutefois pas participé aux dites réunions. Et lorsqu'il s'agissait de réunions qui réunissaient à la fois les intellectuels et la classe paysanne, dirigée par Yann Seri, est-ce que là, il y avait un compte-rendu qui était rédigé? Were any minutes of such meetings prepared? There was no meeting of a mixture of the intellectuals and the peasants. Monsieur le Président, je voudrais maintenant montrer un document, I'd like to show a new document de l'époque. C'est le document E3/857. Qui porte aussi la référence IS-18.49. C'est un rapport qui est intitulé en anglais Working with the Committees of Every Unit, daté du 12 septembre 1977. Il y a une version Khmer qui est s'étend des pages IRN 00086707 jusqu'à 00086713 et en anglais 00355487 jusqu'à 94. À l'heure actuelle, il n'y a pas encore de traduction française de ce document. Je demanderai, Monsieur le Président, l'autorisation d'afficher ce document. Je vous en prie. Et bien sûr, je laisserai quelques instants à Monsieur le témoin pour le feuilleter et le consulter. Leaf through that document. Alors, je voudrais poser une première question à Monsieur le témoin. Est-ce que vous auriez déjà vu ce rapport, ce compte-rendu, ou êtes-vous familier avec ce type de document? I cannot even remember my personal documents. Je ne me souviens même pas de mes propres documents. Comment pourrais-je me souvenir de documents qui appartiennent à d'autres? Almost 40 years. Presque 40 ans se sont écoulés. Peut-être pour vous aider ou vous rafraîchir la mémoire,
avec l'autorisation de la Chambre, il y a certaines indications dans ce document qui laissent à penser qu'il s'agit bien d'un document de B1. Si la Chambre le souhaite, je pourrais lire les quelques mentions qui parlent de sections de B1 ou du bureau. Defense Counsel, Michael Canavas, you may proceed. Thank you, Mr. President. In the past, the procedure has been to show the document to the witness and then to ask him if he has seen the witness before. And, of course, there was a compound question from the prosecution. I didn't object, but it would appear that it's unclear whether the witness has seen this document before. He's indicated he can't remember. But if he hasn't seen this document before, then it seems to me that at that point the document has to be withdrawn from the witness. But contents from the document may be used to question the witness. Du document pour poser des questions. That was my understanding of the ruling, unless the ruling has shifted. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris la décision. Ruling, which is a very likely possibility. La décision est changée, ou il est fort probable que j'ai mal compris la décision, en fait. President, thank you, Defense Counsel. Le président, bonjour. Je vous remercie. The prosecution, could you adhere to our protocol? Monsieur le procureur, guidelines and the practice. Veuillez suivre la pratique doing through the witnesses before the chamber. Pour la présentation de documents. Documents that are intended to be put before the chamber, you need to question the witness whether the witness vous devez demander au témoin s'il have seen connaît, that document that you wish to relate in your questioning. Otherwise, the chamber will request you to remove or withdraw that document. La chambre vous demandera de retirer le document. Merci bien, Monsieur le Président. Je pense alors que je vais me contenter de poser quelques questions de manière générale sur le contenu, mais sans viser des pages particulières de ce document. Donc, à mon avis, ce document peut lui être retiré. President, court officer, can you withdraw the document from the witness? Ici l'audience, veuillez reprendre and le document. Also the assistant, please also remove that document from the screen. L'assistant des procureurs de retirer le document des écrans. Je voudrais simplement demander alors à monsieur le témoin I'd simply like to ask des précisions our concernant witness les réunions for some information about meetings internes. Internal. Vous nous avez parlé hier du fait que certaines de ces réunions parlaient yesterday, d'ennemis you said that the subject of et d'édification du pays et de défense du pays. Building the country and defending est-ce que certaines réunions auxquelles vous avez participé concernaient l'infiltration des ennemis au sein du ministère des Affaires étrangères? So, Macron. Réponse. Thank you. Je vous remercie. Regarding the meetings, I have au sujet my personal view of my patriotism toward my nation j'ai and my une country. Opinion personnelle de ce que signifie d'être un patriote envers mon pays. I saw documents, those documents that I liked, and personally. I also document. Have to invent myself so that I can convince the persons to understand what j'ai patriotism means. Dire des choses pour convaincre instance, les paysans de ce que signifie le patriotisme. Create a Par story exemple, for j'ai them dû inventer to understand
des choses. J'ai to make them inventé happy une histoire and understand at the same time qu'ils so that they understand heureux the meaning. Et qu'ils comprennent, pour qu'ils comprennent bien le sens. For instance, in the current situation, Donc, exemple, I do not want to create a story whereby a dark buffalo and a brown buffalo were in conflict due to the incitement by a rabbit. Conflit entre le buffle noir et le buffle fier à cause du lapin. J'entends votre réflexion, monsieur le témoin, mais est-ce que vous pourriez en revenir à la question initiale qui était de savoir si les réunions portaient sur l'infiltration d'ennemis au sein du ministère des Affaires étrangères et sur le fait qu'il fallait rester vigilant. Réponse. Of course. Oui, bien évidemment. And not only the infiltration existed within the ministry, pas simplement but l'infiltration the infiltration existed ou l'infiltration qui existait au ministère, nationwide. Mais à l'échelle du pays, tout entier. Qui étaient ces ennemis qui essayaient de s'infiltrer à l'intérieur des rangs du parti, à l'échelle du pays et à l'échelle du ministère des Affaires étrangères? De quel type d'ennemis s'agissait-il? It is rather difficult for me to explain to you. Il est plutôt difficile pour moi de vous l'expliquer. General remark. Je vais the main enemy faire une remarque générale was the à ce enemy sujet. Who l'ennemi intends to destroy the world. Était celui qui voulait détruire le monde. And they are the ones who actually ensuite, destroy the environment, that is the land, the soil, the wind and the fire. La terre, l'eau, le vent, le feu. This morning I touch upon briefly ce matin, j'en ai parlé brièvement. The issue that we all tend to forget, que nous oublions tous d'ailleurs, about the case 000 and we only now 000. Working on case 001 and 002. Nous n'avons vu que les dossiers 01 et 02. Qu'en est-il du dossier 000? President, Mr. Witness, please Monsieur le compose témoin, yourself oui, s'il vous in order plaît, to respond to the question put to you by et répondre à la question que l'accusation vous a posée. You need to listen carefully to the question and respond directly to et répondre that question. Directement à la question. This is all also in order to expedite the proceeding so you can return to et your residence as soon as un peu it la procédure concludes. De sorte à ce que vous puissiez rentrer chez vous le plus rapidement possible. Je n'ai pas bien saisi, monsieur le témoin, ce que vous vouliez dire par celui qui voulait détruire le monde ou celui qui voulait détruire l'environnement. Est-ce que vous pourriez être plus précis et me dire qui pouvaient être ces ennemis infiltrés à l'intérieur? Comment pouvait-on les débusquer? Regarding the destruction of the world, à propos de la destruction du monde, I cannot explain to you here. Je ne peux pas vous l'expliquer aujourd'hui. If I were to do so, it would likely take me one month. Car ça me prendrait au moins un mois à vous l'expliquer. As for the monitoring of the enemy, pour ce qui est maintenant de la surveillance des ennemis, I am not a technician or an expert in this area. Je ne suis pas un expert. I just worked on my psychological issue to moi, make je ne travaillais myself que sur les questions pure. Psychologiques, mes propres questions psychologiques first, pour être
pur. So that once I am pure, then et I une could fois see atteint la pureté, enemy from the outside. Je pouvais voir l'ennemi de l'extérieur. For myself, I did not have any duty or responsibility in any of the arrest. Aucune responsabilité en matière d'arrestation. Neither I was a spy. Ce qui sont comme dans l'ang, ça veut dire que j'ai une somnure, pas bon, clair. President, Mr. Witness, please. Monsieur le témoin. Make your response precise. Veuillez répondre avec short, précision. And if possible, please refer to a specific period. Et si possible, veuillez aussi faire référence à la période. Enemy infiltration on the prosecution infiltrés, part, you need to also specify the period and whether the witness l'accusation. Knows quand vous parlez about des ennemis infiltrés, veuillez préciser la période pour que le témoin comprenne bien. The time that he went through the regime. À quelle the chamber date already vous faites reminded the parties la chambre a déjà last rappelé week aux parties that you have to try to make your questions simple, precise, de poser and des questions easy to simples, understand, précises, faciles à comprendre. So that the witness can understand it, pour que le témoin comprenne bien and can respond ce qu'on lui demande question, et puisse répondre this is à la question. For the benefit of ascertaining the truth. Toujours dans l'intérêt de la manifestation de la vérité. Questions have to be complicated that the witness cannot understand. Il ne sert à rien de poser des questions compliquées que les témoins ne comprennent pas. And it's not going to shed any light on what we are trying to seek. Ne permettra pas d'éclairer quoi que ce soit. In this chamber. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Monsieur le témoin, je parlais bien de la période où vous étiez présent au ministère des Affaires étrangères et durant laquelle des réunions étaient menées et avaient pour objet notamment des ennemis qui étaient infiltrés. Et vous les avez dit à l'échelle du pays et à l'échelle du ministère. Vous venez de nous dire que une fois que vous auriez atteint la pureté, vous pourriez voir les ennemis de l'extérieur, mais je ne sais toujours pas de quels ennemis il s'agit. Quand on parle d'ennemis infiltrés, s'agit-il d'espions? Je ne peux répondre à cette question. J'ai eu comme traduction, je ne peux répondre à cette question. Je voudrais savoir si vous ne connaissez pas la réponse ou si vous ne souhaitez pas répondre à cette question. Ce n'était pas très clair en français. Est-ce que vous pouvez m'aider? Because I'm not a technical expert, je ne suis pas expert spying or en espionnage. Something of a similar nature. I only worked on the psychological issues for the people there. De ce genre. Moi, je ne travaillais que sur les questions psychologiques pour les gens là-bas. Avez-vous jamais assisté, monsieur le témoin, à des réunions Mr. Witness, did you ever attend meetings où était discuté where le point de savoir the subject combien de cadres ou de combattants au sein du ministère de la des Affaires étrangères étaient purs ou étaient bons et quelle proportion, par contre, ne l'étaient pas et étaient suspects. Est-ce que vous avez participé à ce genre de réunion où ces réflexions-là étaient menées? Admiente. Response. No, I did not. Réponse. Non. Lorsque vous avez dit que
effectivement il y avait des ennemis infiltrés, est-ce qu'il y avait des discussions dans des réunions concernant l'infiltration par la CIA, le KGB ou les agents vietnamiens? Réponse. I did not understand clearly regarding these forms of the enemy infiltration. Je ne comprenais pas bien ce type d'infiltration par les ennemis. Really clear on je l'ai su par d'autres, KGB mais n'était pas CIA clair dans mon esprit meant. Ce que signifiait KGB ou CIA. I only concentrated on moi, doing a good work. Je me concentrais sur because mon travail, if je I could not engage bon in a good work, then I would have to refashion myself. Si je ne faisais pas du bon travail, j'aurais dû me remodeler, me forger à nouveau. Que signifiait, selon vous, Monsieur le témoin, le fait, Mr. Witness, de veiller à rester vigilant? La vigilance révolutionnaire, de quoi s'agissait-il à l'époque? The phrase revolutionary vigilance, cette expression, vigilance révolutionnaire, is that we try not to have anybody signifie sit on our head. Il faut éviter que quelqu'un s'assoie sur notre tête. And also that we do not take that advantage by riding on somebody else's head. Pas d'une position de supériorité en nous asseyant sur la tête de quelqu'un d'autre. Merci, monsieur le témoin. Monsieur le président, j'aurais un très gros document à produire au témoin. A voluminous document to put before the witness. Je ne sais pas s'il est opportun and de le faire avant déjà if que l'on marque right la fin de la journée ou si vous préférez que je le fasse tout de suite. Cela demande quelques explications parce qu'il y a de grandes différences entre les versions anglaises, françaises et Khmer. Et cela me prendra certainement 5 minutes déjà pour expliquer à chacun quelle version il convient d'utiliser. Je vous en prie, allez-y. Alors, il s'agit du document E3/522, mais il porte également un autre numéro E3, le E3/926, et le numéro suivant, D267/5/1.1.25. Also D267/5/1.1.25. Ça, ce document D267/5.1.25, c'est l'original en Khmer, dont toutes les pages sont complètes et dans l'ordre. Et sur la base de ce document, une traduction anglaise a été faite qui est également complète. Par contre, vous avez également au dossier concernant la version française le document E3/925 qui porte aussi la référence IS14.1. Il s'agit là, donc il y a une version Khmer de ce document, de ce deuxième document. C'est le même document que celui que je viens de citer à l'instant, à partir duquel la traduction anglaise a été faite. Mais le problème avec ce document IS14.1, c'est que énormément de pages
ont été mélangés, qu'il y a des doublons et qu'il y a beaucoup de pages qui manquent. Or, c'est à partir de cette deuxième version que la traduction française a été faite. Et donc, dans la traduction française, je voudrais simplement le signaler parce que c'est important, on ne trouvera pas le texte, la traduction complète de ce document. Et c'est la raison pour laquelle j'essaierai de me référer également à la version anglaise. Alors, après cette explication, Monsieur le Président, je souhaiterais pouvoir donner le document D267-5-1.1.25 au témoin et que l'on puisse également l'afficher. C'est un très gros document qui fait environ 150 à 200 pages. It's a long document of 150 to 200 pages. I would like the witness to be acquainted. President, could you please hold the prosecutor? Defense counsel, Michael Canavas, you may proceed. Thank you, Mr. President. I would suggest and I submit that the same procedure should be used with this document as was used with the previous one. Que l'on fasse avec ce document la même chose que l'on a fait pour le précédent, lui montrer au témoin, c'est-à-dire voir s'il le reconnaît, s'il l'a déjà vu, et sinon, there's no need to go through all of this exercise, pas besoin de passer à travers tous ces exercices de traduction et de pages, etc. Donc, on n'a qu'à suivre la procédure déjà établie. Merci. Le président de Tchad-Lavagne, tu me proposes. Oui, peut-être avant de remettre ce document au témoin, on pourrait l'interroger à propos d'un cahier qu'il a déclaré lui-même avoir tenu. Je ne sais pas ce qu'il en est, je ne sais pas sur quel support notamment il tenait ce cahier, ça pourrait être intéressant de lui poser la question. I don't know exactly in what shape or form that notebook is now, and it might be a good idea to ask him that question at this stage. Très bien, monsieur le juge, monsieur le témoin, à l'instant vous aviez parlé de notes que vous aviez prises dans un cahier. Vous souvenez-vous de l'apparence de ce cahier, ce qui figurait sur la première page de ce cahier? Anything about this notebook, in particular what there was on the first page of the notebook? Réponse, I'm sorry, but I'm in a doubt here. I do not understand your question at all. Je ne comprends pas votre question du tout. Il y a quelques minutes, vous aviez dit que vous aviez pris des notes. Et je crois que c'était à propos de l'espionnage que vous nous aviez dit ça. Vous aviez pris des notes dans un cahier du temps des Khmer Rouges, du temps du Kampuchea démocratique. Et que, apparemment, vous avez perdu ce cahier. Donc, je voulais simplement que vous puissiez nous dire comment, quelle était l'apparence de ce cahier, le format, est-ce qu'il y avait des inscriptions qui étaient marquées sur la première page et de quoi, à quoi ressemblait ce cahier à l'intérieur de toutes ces pages. Comme not had. Réponse. The notebook. I may slip to my mouth when I le cahier. Enfin, j'ai talk about the notebook. J'ai peut-être it was actually déparlé. A piece of paper. Non, c'était une feuille de papier. We hold the paper into two. We did not have any books deux. At the time. À l'époque, nous n'avions pas de cahier. But I saw, as I saw just now the, on the screen, there was mais a picture of a singer, vient de voir a lion. So I do not know la, about that. Sur la première page, enfin à l'écran, je viens de voir un singer, enfin un lion. Je suis désolé, Monsieur le Président, si la première page avait déjà été affichée avant que je pose la question. Well, mais sorry, il ne semble pas, en tout cas, que le cahier de Monsieur le témoin corresponde à la description du document que je m'invite à lui montrer. Est-ce que j'ai l'autorisation maintenant de lui montrer ce document pour lui demander s'il l'a déjà vu?
May I now show him the document and so that I can ask him the question of whether he's seen it before? Le président, allez-y, je vous en prie. The President Court Officer is instructed to take the document from the prosecution and provide the document to witness so that he could examine it. The President. Le président. I know defense counsel for Mr. Khieu Somphone is on his feet. You may proceed, counsel. La parole est à la défense de Khieu Somphone. Je vous en prie. Thank you, Mr. President. I would like to make an observation concerning this document. This document is large. Au sujet de ce document, c'est un long document. I'm not sure how witness is going to examine this Je vois document. Mal comment le témoin pourrait examiner ce document. Va-t-il le lire dans Perhaps son intégralité. Mr. Co-prosecutor can be peut-être asked que le coprocureur whether he would like the witness to examine a particular portion of that document. À dire s'il souhaite que le témoin examine une partie particulière de ce document. The President. Le président. Thank you. Merci. To clarify the matters, can a prosecutor est-ce que l'accusation pourrait préciser proceed with asking the witness whether he has ever seen this document before. En demandant au témoin s'il a déjà eu ce document sous les yeux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez déjà eu ce document sous les yeux précédemment? Have you ever seen the document? Je sais que vous n'avez pas encore eu le temps de le lire. Previously. Mais si vous pouvez le feuilleter rapidement. Had time to read it, perhaps you could just run through it. But I'm gonna milk about as I have read the headings of this document, j'ai lu, I can say that I do not know about it. L'intitulé du document, et je peux dire que je ne connais pas ce document. Monsieur le Président, je demanderai au témoin de lire plus que l'intitulé qui n'a rien à voir avec le contenu. Et je voudrais également poser la question au témoin de savoir si ce document vous a été présenté par les enquêteurs des juges d'instruction lors de la phase d'instruction. No, I never saw this document. Je n'ai jamais vu ce document. Monsieur le Président, Mr. President, je suis obligé de m'en référer à certains procès-verbaux d'audition où des questions ont été formulées aux témoins in which en se référant explicitement à ce document. D267-5-1.1.25 et si vous me permettez, je dirais que ça a été le cas dans le procès-verbal d'audition D369-36 aux questions 52, 61 et 67 au moins. Dans un autre procès-verbal d'audition, D233-9, il nous apparaît que dans les questions 1, 2 et 3, il s'agit bien de ce document qui est également présenté. Mais là, très honnêtement, les juges d'instruction n'ont pas indiqué la référence exacte. En tout cas, dans le document D369-36, il est indiqué dans les procès-verbaux que ce document a été utilisé pour montrer, pour poser des questions aux témoins. Et donc, je voudrais reposer la question avec votre permission de savoir si ce document lui a été montré à cette occasion. Monsieur le Président,
Le président. The president, yes, you may proceed to counsel for Mr. La parole est la défense. Thank you, Mr. President. Perhaps counsel could point out where, whenever it was shown to him during by the court investigative judges, the gentleman indicated that he recognized either the document or the writing, or whose writing the document was. A été présenté au témoin, il faudrait savoir si I think if we're going to be using the document to show that he was familiar with the document. Then he needs to state clearly that he recognizes the document and how he recognizes it. If, on the other hand, as the court has ruled in the past, that you can go into contents within the document in posing questions, then nothing prevents counsel from doing so. But from the references that he's provided thus far, at least I'm unable to see where the gentleman, the witness that is, has indicated that he recognizes the handwriting or that he has seen the document back then. Ou avoir vu ce document à l'époque, avant que ce document ne lui soit montré par les juges d'instruction, à moins que quelque chose m'ait échappé. It appears that the situation before us is different from what the chamber has decided before. Apparemment, cette situation est différente de celle sur laquelle la Chambre s'est prononcée. Le présent document a été utilisé par les juges d'instruction au cours de la phase d'instruction. In our usual practice, we have never done this before. Il s'agit là d'une situation nouvelle. That is why we are trying to ensure whether the witness has seen this document. Il s'agit de déterminer si le témoin a eu ce document sous les yeux dans le passé ou non. The witness has at least been shown during the investigation phase. Ce document était présenté au témoin pendant l'instruction. Mentions in document D369/36. Ceci est indiqué dans le document D369/36. La Chambre voudrait savoir s'il s'agit d'une possible erreur commise par le témoin, ou bien est-ce que le témoin a oublié, et si tel est le cas, est-ce parce que le témoin n'avait jamais vu le document sous les yeux auparavant, ou bien est-ce que c'est le contraire? Bref, c'est une situation nouvelle. Now the chamber permits that the co-prosecutor can proceed with showing these documents to witness. La Chambre autorise l'accusation à présenter ce document au témoin. Merci, Monsieur le Président. Je sais qu'on a dépassé 16 heures et je crois que les questions seront assez longues sur ce document. Est-ce que vous souhaitez ajourner l'audience maintenant ou est-ce que j'entame les questions aux témoins à propos du contenu de ce document? Allows you to la Chambre vient de vous donner l'autorisation de poser des questions à ce témoin en lui demandant s'il a déjà vu ce document ou non. To the questions in document D369/36. Aux questions posées dans le document D369/36. Because you have just referred to a question. Vous venez de citer une question in which document D2675/1.1.25 was referred to. Il s'agit d'une question dans laquelle était mentionné le document D267/5. We will be able to continue with other questions tomorrow. Et ce n'est que demain que nous passerons aux questions suivantes. Oui, monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez alors nous dire si ce document ou probablement des parties ou des pages de ce document vous ont été présentées par les enquêteurs afin qu'ils recueillent vos réflexions concernant certaines questions de son contenu? Your thoughts or remarks as to the contents of the document. Ah.
I do not know about this document. Je ne sais rien de ce document. Thoroughly. Je ne l'ai pas encore examiné de façon approfondie. I haven't read thoroughly this document, so I determined that je n'ai pas examiné I have never seen this document before. De façon approfondie ce document. As I haven't read this document, so I do not accept this document. Je n'ai pas lu ce document, je ne peux pas accepter ce document. Allow me to indicate a bit further. Laissez-moi préciser quelque chose. That it appears on the first look that this document à première talks vue, about il semblerait que ce the meetings during that regime, sur, but les I do not know qui aurait eu lieu who sous wrote ce this régime. Document, but mais I can je ne sais pas qui a rédigé ce document. Not my document. En tout cas, je peux conclure qu'il ne s'agit pas de mon document. The President. Let me deal with this issue as follows. The prosecutor has put forward voyons voir. That this document was shown to witness. L'accusation affirme que ce document a été présenté au témoin pendant la phase d'instruction. To document D-369/36. À savoir le document D-369/36. Has been shown to you witness. Autrement dit. Monsieur le témoin, your interview with the investigator. Le document dont il est question vous a été présenté lors de votre audition devant les enquêteurs. À présent, ce document vous est présenté. Entire content of the document, only il ne s'agit pas de vous interroger sur l'intégralité du contenu de ce document, mais seulement sur une partie. This is the reason why the prosecutor is c'est raising la raison pour laquelle l'accusation to you vous pose on the basis of des questions your answers to the en s'appuyant sur les réponses que vous avez données au juge d'instruction. Judges. Now, to be precise, the chamber will allow you or will give you some time for you la chambre to examine the document. Va vous laisser du temps pour and after examiner your examination, ce document. We will continue discussing après quoi, nous reprendrons about this document. Les débats. Especially if you want to know whether la chambre you veut were tout particulièrement shown the document by savoir the investigator si ce document during the investigation vous a phase. Été présenté par les enquêteurs au cours de la phase d'instruction. That is in the records of the Ministry of Foreign Affairs. Il s'agit de notes du ministère des Affaires étrangères. Document D-267/1.25. ERN 00427826. But this is an example, and you, the point is that you were shown or not this document. Ce qui compte, c'est de savoir si ce document vous a été présenté. Recognize it. So, vous auriez dit avoir reconnu ce document. You are requested to comes to the court tomorrow morning before we begin, so that we have some time for you to examine demain the documents tomorrow matin, veuillez vous morning. Présenter it be possible? Un peu plus tôt, avant le début de l'audience, thank afin you. D'avoir le temps d'examiner we, le document en question. It is now bien. Over time for us to adjourn the chamber. We'll adjourn il est for today's proceedings, and we will continue l'audience. Tomorrow morning. Les débats reprendront demain matin. And because of the importance of questioning witness Asalot Ban, vu l'importance witness, de la déposition invited du témoin to come Asalot to the court Ban, again tomorrow. Celui-ci est invité à se présenter and because you à nouveau are supposed demain. To examine this document before we begin, le témoin devra examiner our proceedings le document tomorrow, avant le début de l'audience. Should arrive before par conséquent, we begin, il est prié d'arriver avant le début de l'audience. Duty counsel is also
invited to come again. Conseil tomorrow. Du témoin est également invité à se présenter demain. Court officer is instructed to huissier d'audience facilitate and assist. Veuillez apporter votre assistance au témoin the examination of documents and to bring him en vue back de l'examen de ce document. Veuillez le ramener dans le prétoire avant 9h demain matin. Agent de sécurité, veuillez conduire les accusés au centre de détention. L'audience est levée.